Yo tout le monde, c'est Lainy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et comme vous pouvez voir, on est sur le serveur Paladio. On va tout de suite se connecter sur le serveur minage, ce que je fais depuis un petit moment. Je mine beaucoup pour pouvoir former le métier de mineur. Actuellement, en métier de mineur, je suis palier 4. Et mon but, ça serait d'arriver palier 5 pour avoir les 5 000 $ en récompense. En même temps de miner, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Alors déjà, faut savoir qu'auparavant, j'avais déjà eu deux chaîne YouTube. Une qui a YouTube a enlevé des fonctionnalités, donc ça m'avait pas plu et je l'ai supprimé. Et la deuxième, je faisais vraiment zéro vue sur chaque vidéo et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais même les shorts, je faisais zéro vue. Donc je me suis dit, cette fois, je vais bien recommencer, je vais bien tout refaire et let's go. Quel sera le genre de vidéo de la chaîne? Déjà, pour les débuts, on va faire souvent du Palladium ou peut-être du Nation Glory et aussi du Fortnite. Et en fait, ça sera un peu une chaîne multigaming car dans le futur, on va tester plusieurs jeux qui pourra peut-être vous plaire. Pourquoi je me suis lancé à YouTube? Parce que c'est un peu mon rêve de devenir YouTuber, influenceur en gros. Et j'aimerais bien que dans le futur, ma chaîne, vous voyez, elle se développe et tout, et que je puisse faire des vrais concepts, concepts IRL et tout. Et franchement, entre nous, ça serait bien. Mais bon, après voilà, faut travailler, faut faire bien les trucs, bien les vidéos, bien les montages, et faut avoir du succès. Donc je vais me présenter, je m'appelle Lainy, j'ai 15 ans, et je suis actuellement en seconde pro réalisation de pièces mécaniques au lycée du coup. Voilà, voilà. Maintenant que j'ai fini de me présenter, je vais vous expliquer un peu ce que j'aimerais faire dans cette série de Palladium. Enfin, les objectifs du tout début, ça serait déjà d'atteindre le $1 000 000, d'avoir un bon stuff et aussi avoir 3 double coffres entiers remplis de blocs de Palladium. Ça, c'est un objectif que j'aimerais bien faire, mais voilà, c'est un défi quoi. Quels sont les objectifs de cette vidéo? Alors, en gros, déjà, comme je l'ai dit auparavant, ce serait bien que ici j'arrive à level 5, ce qui serait pour gagner les $5 000, vu qu'actuellement sur moi j'ai 407,79 $, ce qui est bien, mais c'est pas non plus énorme. Ensuite, faudra aussi qu'on essaye d'avoir la machine pour créer le hammer en Palladium Fortune 3 Smelt 1, ce qui serait énormément utile pour le minage et tout, et pour bien farmer le métier de mineur. Bon, je vous mets une petite time lapse de moi en train de miner. À tout de suite. Ce que j'ai pas dit, c'est que pour pouvoir avoir le hammer en palladium et créer le, je ne m'en rappelle plus, mais pour pouvoir le créer, il faut un seau de lave, etc. Donc au total, il me faut 3 de fer, 120 de palladium et 40 de titane. Je me disais aussi peut-être aller se faire une petite base en faction. Pour ça, on va aller dans Unta. Let's go. On va poser notre stuff important dans l'under chest et slash RTP. Là, normalement, ça va téléporter à un endroit où il devrait pas y avoir de gens. Parfait. Déjà, ce qui serait bien, c'est d'avoir une petite farm. C'est pour ça qu'on va récupérer des pousses. Et aussi aller récupérer du bois et de la terre. Je vous retrouve quand j'ai tout. Ok, je viens de finir l'endroit où on va placer notre farm. Maintenant, il manque juste que je pose les blocs de terre. Du coup, que j'aille en chercher. Et qu'ensuite, j'aille chercher de l'eau pour pouvoir commencer la farm. Ok, donc ici, il y a de la terre. On va la récupérer. Je pense qu'on a actuellement assez de terre avec tout ça. Plus qu'à récupérer de l'eau et on se retrouve après. Ok, donc j'ai récupéré mon eau, j'ai ma terre et on va tout de suite commencer à créer la farm. Comme vous pouvez voir, je viens de finir de faire la farm. J'ai mis 2 pouces pour que ça pousse. Et bah, nous, on va AFK ici le temps que ça pousse. Ok, ça prend un peu de temps. Donc, on va voir à l'HDV s'il n'y a pas de la bonne mix. Donc, on fait tout pousser et bah, on se retrouve quand j'ai assez farm. A tout de suite. Comme j'ai dit juste avant, ça serait bien que j'arrive là, level 5. Donc tout de suite, je vais aller miner.
comme vous pouvez voir, on n'est plus qu'à quelques XP à passer level 5. Et voilà, mineur niveau 5. Donc là, si je fais slash money, je suis à 5205,79$. Bon bah les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le tourner. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, laisser un commentaire. Et sur ce, moi, je vous dis, ciao ciao!